6, 5, bon, 1. Alors, mon monde sera libre. Ils m'ont sous-estimé. Ils vont me mériter. Un monde, 5 héros. Vous aurez simplement des pièces d'or. Une pièce d'or de trouver, une pièce d'or de trouver, une pièce d'or de perdu, une pièce d'or de perdu. Donc même dans un rêve, on peut perdre nos pièces. Silence. Attends, il me dit silence ou... Il te met le silence en lettres majuscules et crochet. Est-ce que ça veut dire qu'on peut ramener des objets qui a les rêves? Genre, si j'arrive à enchanter ma rapière, est-ce que ma rapière sera enchantée au retour? Donc tu revois le début du crochet, un M, un O qui se prolonge, avec un U prolonge aussi, et un AI qui arrive assez vite après. Les crochets qui se ferment. Ok. Là, regardez, l'elfe, vu qu'il n'y a pas de demi-elfe. Là, je vois un intérêt. À défaut d'avoir leur haveur, on peut possiblement ramener du matos intéressant. Très bien, on y va. Autre précision que tu vois dans les trucs, et je ne dirai pas lesquels, je vais dire simplement dans les smileys et autres images que tu peux éventuellement voir sur la feuille statistique actuellement, tu vois une petite
petite, enfin pas qu'une petite, une large connotation grivoise. Il semblerait que l'interlocuteur avec qui tu parles a un très fort manque quelque part. Un quoi? Un très Un fort manque manque. sexuel. Voilà. Je ne préciserai pas. Ok. Elle va soupirer. Est-ce que vous avez écouté au moins la moitié? Est-ce que vous avez écouté au moins ce qui a été dit? Oui, qu'il fallait aller dans la grotte. Vous avez rien écouté. Et trouver des pièces, trouver des pièces. Il s'agit de se rendre dans une ville, je déteste ça, mais bon. Il s'agit de se rendre dans une ville pour y voir ce que nous allons pouvoir y faire. Dites-vous que c'est un rêve et que un rêve lucratif. Que si vous avez besoin d'objets ou d'animaux ou que serais-je, et je pars en direction de tout en marchant. Honnêtement, c'est moins frustrant. Vous Et de savez, regarder pied. le monde n'est qu'une musique qui a pris forme matérielle. En réalité, rien ne prouve que nous ne sommes pas des clones de nos originaux. Dans ce cas, on peut faire un test. Elle réfléchit. Elle va regarder au niveau de sa bourse. Elle compte le nombre de pièces. Elle va laisser 5 pièces d'argent dans la baraque. Je vais laisser un peu d'argent ici, ou voire très peu. Si je les ai réellement perdus, c'est que c'est réellement un rêve lucratif. Après tout, je sais où j'ai dormi. Dans un bateau. Je note 5 pièces d'argent. Dans le manoir. Et je demanderai au larbin de le mettre dans ma chambre. Et on va continuer en direction du portail fait. Et si le fait que vous soyez en ville, ce soit dérangeant, dites-vous que moi, le fait que je n'ai pas pris la mer soit aussi quelque chose de dérangeant. Et je vais te montrer que au niveau de mon. Je vais te montrer, à toi, pour voir si les autres ont l'angle de vue, que mon armure est une armure de matelot. Là, actuellement, moi, si on est bien dans un rêve, je dors dans un bateau. Donc tout le monde va vers Mais tu vois qu'il n'a téléporteur. pas de suivi. Bah oui, hein. De toute façon, il n'y a pas tous. Du coup, Clément Paris et Gareth. Oui, je suis nouveau, hein, il n'y a pas de souci. Oui, Hein. Moi aussi. Quelqu'un en parle à votre compagnon musclé. Ouais, je vais parler en jargon des voleurs. Oui, parce que lui, il a toujours les pattes dans En l'eau. gros, en gros, j'arrive vers lui et je lui dis en jargon des voleurs, je lui fais déjà un résumé rapide, simple, efficace de ce qui s'est passé, en rassurant sur le fait que le pépère est surveillé par des dieux, à ce qui paraît. Donc oui, il y a faire tout autour de Et lui. que notre et derrière je vais lui dire notre but là tout de suite c'est d'aller dans une ville moyen de se faire du pognon et autre chose
J'ai soit de faire comme les aventuriers, les quêtes, etc., soit de récupérer des objets et de les sacrifier au nom d'une déité. C'est quoi le nom de la déité? Tu le peux le noter? Oui, c'est carré. Oui. Et je veux dire, il faut, disons, aller dans le temple de Saint-Icarie ou quelque chose qui le représente. On lui donne des objets, ça nous donne des portefeuilles, la monnaie de ce lieu. Derrière, ça permet de nous enrichir. Et donc le but, c'est plus ou moins de faire notre vie. Répète-moi là. Tu me dis que si on sacrifie n'importe quel objet à Saint-Icarie, on récupère des pièces d'or. Des pièces d'or qui utilisent ici, oui. Pas des pièces d'or comme nous. Je vais montrer la différence entre les deux pièces. Tu veux pas le faire venir, lui, et du coup, il pointe. Farmière du doigt. Il te pointe Farmière du doigt qui est en train de rentrer dans la grotte du coup. Oui, il faut le suivre. Il faut le suivre. Il veut pas venir pêcher avant de partir. J'ai. Je vais gueuler un grand coup. Frardou! Je chasserai en route! Ah, dommage. Tu veux pas pêcher? Je trouverais bien un truc à bouffer en chemin. Ouais, mais Un oiseau à flécher ou autre. c'est pas bouffer que je voudrais. C'est que tu pêches des poissons pour qu'on puisse les transformer en or. Ça, c'est pas Je te con. regarde, mais elle n'a pas l'air de comprendre ce que tu es en train de raconter là. Je te regarde comme si tu étais un petit sable. Bon, d'accord, je vais pêcher deux poissons. Je reviens, je vais vers le lac et j'essaie Alors, de choper deux poissons. j'installe mon matériel de pêche. Je prends mon arc, je tends une flèche et dès que je vois un poisson, je flèche un poisson. Vas-y, fais-moi ton jet de survie pour voir combien de poissons. Je sens que vous allez vite vous enrichir dans cette histoire. Allez, moi je vais faire écoute pour j'utilise mon matériel de pêche, écoute pour pêcher. C'est dextérité. Alors, si je Survie. comprends bien, on est tous en train de chercher à becquer, c'est ça? Ouais. Pas becqueté, non. Pas exactement. Non, 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 moi j'ai bien compris ce qu'il voulait. Ah ouais, non, mais pour moi, on est en train de chercher à manger, quoi. Oui. Allez. Je vais voir si je trouve des C'est herbes, quoi? des racines, des trucs comme ça. Ah, 16! C'est Là, on est survie, 24! c'est 24 en survie, oui. herboristerie. Je vais voir si Survie, j'arrive à récupérer des. sauf si tu as des outils particuliers. Farmer Et avant. 22 en survie. Alors, 24 en herboristerie et 22 en survie. Je vais voir si j'arrive Et... à récupérer des racines, des bulbes, des écorces à manger. Je regarde l'archer elfique qui essaie de pêcher des poissons à l'arc. Je le regarde d'un air Je en vois mode, bien que ce n'est il est pas con, lui. efficace. Je vais tâcher de nous faire une belle salade. Je serais plus efficace dans la forêt, tu vois. Par exemple. Je veux dire, si je peux me permettre, c'est pas un harpon. Il faut que ça soit plus lourd pour que vous puissiez pêcher ça comme ça. Sinon, vous faites comme moi. Déjà en regardant ma canne à pêche. Non, je suis plus à l'aise dans la forêt que dans un milieu. Mais vous essayez de faire quoi exactement? Ben, d'attraper les poissons. Et après, on En va dans la grotte. gros, Pour les ça peut manger? être inter... évaluer négativement. Ça peut être intéressant de tester la ce que Rentabilité. Ikari peut offrir. Si on pêche par exemple du poisson, si on donne des racines assez rares, ce genre de choses. Mais pour les manger, on est d'accord. Faut chasser pour Ah les non, manger, pour les... pas Ah, on juste peut en pour le manger, hein. plaisir de les. Pas juste pour le plaisir pour Ah non. voir qu'il y a des poissons, on est d'accord. Elle va au chef, veut dire, c'est soit pour les manger, soit pour les donner à Saint-Icary. Si tu as retenu ce qu'il a dit. Mais moi, je veux bien vous aider à pêcher quelques poissons, mais ça sera seulement pour les manger. Si vous voulez faire autre chose ou si vous voulez jouer avec leur vie, je ne vous aiderai pas.
Je suis Mais si c'est marin. pour les manger, je veux bien vous aider. Ben, moi, je voulais aller dans la grotte, mais on m'a dit qu'il fallait que j'aille pêcher. Et moi, j'ai tout le temps à obéir aux ordres. Alors, Donc, vous pêchez pour vous... manger ou vous pêchez pour une Alors, raison d'habitude, je pêche pas. D'habitude, plutôt, je chasse les oiseaux ou les lapins. J'ai envie de... Oui, Je mais pour les pêche. manger. Oui! Alors, c'est vraiment... Si. D'accord, bien. Ben, je J'ai commence à quatre accorder. poissons pour manger. Quatre Je poissons, commence à. disons que je... Au moins, je teste Je ça, au moins commence à. un poisson. Vas-y. Je commence à incanter. Il y a un petit nuage qui apparaît au-dessus du lac. Et je fais tomber la foudre. Oh mon Dieu! Mais vous êtes des Là, sauvages, sauvage, vous? ouais, voilà. ça va avoir plein de poissons. Donc, prélevez les poissons que vous souhaitez manger et laissez vivre les autres. Vous verrez, ils récupéreront leur conscience, enfin, ils reprendront conscience après quelque temps. On est d'accord que c'est le druide le plus chaotique que j'ai jamais vu. En termes de pêche, c'est comme si Alors, tu pêchais à la dynamite en mode allez, non, là j'ai fait de la pêche électrique en fait. Hein. alors Vanilla, quand il voit ça, déjà il retire ses pattes de l'eau parce que assez vite. Et tout d'un coup, il est à genoux sur la berge et il lève la tête vers le ciel, les bras, il les lève au ciel et il dit. Enfin, je suis riche! Enfin, je suis riche! Et il saute dans l'eau pour ramasser tous les poissons qu'il peut ramasser. Moi, je relève la ligne. C'est en mode. J'allais retenir pour ça. Je suis heureux de pouvoir récupérer chaque poisson normalement. Quand je vois le cadenas qui a été fait, et je regarde. Mais ils sont pas morts, les poissons. Hein. Non, Les poissons, ils mais. sont inconscients. Hein. T'inquiète pas que dans les chaussettes et dans le caleçon de Vaniac, ça va bien remplir. Et Ah je suis pas sûr qu'il soit encore en vie après. Ouais. Très fesse derrière, je vais regarder d'un air dubitatif. Tu sais que si tu veux t'enrichir de cette manière-là, teste avec un ou deux poissons avant de tout user. Pour avoir que dalle. Oui, parce que si vous utilisez ces poissons pour autre chose que pour vous sustenter, je vais me fâcher. Techniquement, s'il gagne des pièces, ça lui permet de se sustenter. Vous m'avez très bien compris. Ça. T'as le droit à un petit jet de perspicacité sur Vaniac, hein, parce que au bout d'un moment. T'as quand même le droit de voir sa tronche hein, quand tu lui Oh, mais après, il joue pas. 10. Moi, je pense avoir compris les intentions du Golgoth. Hein. Effectivement, il a fait un super jet, lui, pour vous tromper. Ouais, c'est pour manger, n'est-ce pas? Ouais, c'est pour manger, ouais, j'ai une grosse faim. Je suis un grand mangeur. Ce qui n'est pas difficile à croire quand Je tu vais vois la dire. carrure en même temps. Mais... Ah, je pense que je vais dire au jargon des voleurs, parce que je pense deviner, c'est pour te faire du porte-monnaie. Hein. il te regarde, il fait. Je suis riche en argot des voleurs. Teste avec 2-3 poissons, voir combien ça vaut. Tu fais les déductions, tu vois si c'est intéressant ou pas. Oui, Il dit ça en jargon des voleurs en mode. oui, et tu vois, il te soulève un petit peu la chaussette gauche, et tu vois trois poissons. Il te soulève un petit peu la chaussette droite, tu vois trois poissons. Tu vois, je respecte exactement ce que tu me dis, deux, trois poissons par membre. Mon Dieu. Tu remarques que le nuage, il est toujours là. Peut-être je vais regarder d'ailleurs, sceptique. Et que je regarde. Tu sais que tu aurais pu utiliser des filets de pêche pour. C'est plus rapide comme ça et Ok. ça m'évite de les tuer inutilement. Je ne Non, prélève que ce dont j'ai besoin. mais je vais regarder
Je vais te regarder. Je n'ai pas le nom. C'est. Vaniac ou Gareth? Vania, quoi, mais c'est pas. Il n'est pas marqué. J'ai juste. Trois choses. Vu que je suis marin, je sais comment tenir un poisson. Donc, s'il y a besoin de cuisiner ça, c'est pas vraiment un problème du tout de mon côté. Hein. Par contre, le mettre dans des chaussettes, ça garde l'odeur. Tant que un poisson, ça pue. Beaucoup, même. Derrière, ça peut donner un goût de chaussettes, vu que ça retient bien les odeurs. Et je suis pas sûr que les étouffées soient un bon truc. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai envie de dire. Il te pointe du doigt et il T'entends, te t'entends? dit, tu as tout à fait raison. Et là, il était encore un petit peu dans l'eau, il re-rentre dedans et tu le vois qu'il est en train de prendre les poissons un par un et qu'il les jette par-dessus l'île. Au moins là, ils seront morts, ils seront aérés et en plus, ils seront pas loin du temple d'Icarie. Il faut laisser quand même un peu de poisson, ne serait-ce que pour, je sais pas, hein, qu'on puisse pêcher. Peut-être biodiversité, tout ça. Bon, Oui. d'après ce que tu m'as dit, il a dit qu'il y avait une mer au sud-ouest, c'est pas grave, on en ramènera de là-bas. J'ai entendu des histoires de colons qui ont fait ça. Certains ont fini très mal. Et je pense que je vois le tonne de poissons qui ramène au trou du cul. Je vais juste remettre les poissons que j'ai pêchés à la mer. À mon avis, ils sont pas encore morts, j'imagine, mes poissons. Les chiens, non. Les chiens, effectivement, un petit peu plus, mais bon. Ouais. Mais disons que si foudroyer comme ça, c'est. Ouais, c'est quand même quelque chose.